répète, monsieur Loger, Marseille, numéro de contrôle 565, et demandez au bureau par un ami. La côte vermeille. Les plages sont belles, la mer est bleue, le soleil brille. Les collines de l'arrière-pays sont plantées de vignes. Barcarès, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, ce sont des noms de lieux de vacances. Dans la mémoire espagnole, ce sont des noms de camps de concentration. En février 1939, les survivants de l'armée républicaine espagnole et des dizaines de milliers de réfugiés civils ont été parqués ici, sur le sable nu, sur l'emplacement des campings d'aujourd'hui. Camp de Barcarès, 70 000 Espagnols internés. Camp de Saint-Cyprien, 30 000. Camp d'Argelès, 43 000. Et il y avait encore Agde, Vernet, Sept-Fonds, Gurche et la forteresse de Collioure. 250 000 Espagnols au bas mot dans les camps de concentration du sud-est de la France. Allô, allô, un paquet express pour monsieur Évrard Michel, emplacement blanc 76. Je répète, un paquet express pour monsieur Évrard Michel, emplacement blanc 76. Priez de venir le retirer au bureau, s'il vous plaît. C'était la catastrophe générale, il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient contre la frontière. Et nous sommes entrés par Repertis. Mais je venais avec ma mère malade, elle avait un cancer. Et je me rappellerai toute la vie ce qui était le parcours de cette route qui mène de la Junquera au Pertis, derrière la civière qui transportait ma mère, avec ma fille aînée qui avait 6 ans à l'époque, et mon fils qui avait 7 mois, que je nourrissais. À ce moment-là. Alors nous sommes entrés jusqu'au Pertis, mais à la partie espagnole du Pertis. Là, on ne nous a pas laissé passer la frontière derrière la civière de ma mère. Ma mère est entrée et nous, on ne nous a pas laissé entrer. Nous avons passé une nuit épouvantable sous la pluie, entre les pleurs des enfants, les cris des femmes et des hommes désespérés parce qu'ils demandaient au moins un refuge, toutes les portes du Pertis fermées, personne n'ouvrait la porte pour laisser entrer les enfants qui tremblaient de froid, beaucoup ont attrapé des pneumonies, sont morts. Federica Monseni, dirigeant de la CNT, Confédération Nationale du Travail, organisation anarchiste. Ya te esperábamos, ¿eh? Hace rato, porque hay que venir más tempranito, ¿eh? Teníamos que ir a las 4, ¿eh? En 1936, la CNT comptait plusieurs centaines de milliers de militants.
Federica Monseni appelle le peuple de Barcelone à la défense de Madrid en octobre 1936. De toute façon, les souvenirs les plus profonds que je garde de la guerre, c'est la défense de Madrid, auquel j'ai participé comme membre de la Junta de Defensa, qui a dirigé la défense de la capitale. Je suis né dans une famille ouvrière. Santiago Carrillo, secrétaire général du Parti communiste d'Espagne. Mon plus lointain souvenir, c'est d'avoir vu mon père en prison après la grève générale de 1917. Alors je me rappelle du Madrid de ce jour-là, je me rappelle la nuit du 6 à 7 novembre. Mola avait parlé par la radio en disant que quatre colonnes convergeaient sur Madrid et qu'en plus à Madrid il y avait une cinquième colonne. C'est de là qui est parti ces fameuses dénominations de cinquième colonne, qui interviendrait pour aider les quatre colonnes qui attaquaient Madrid. Alors, ma tâche dans ces juntas de défense était de combattre ces cinquièmes colonnes. C'est à ce moment que j'ai adhéré au Parti communiste, que je suis devenu membre du Parti communiste, parce que en tant que jeune socialiste, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un gauchiste. Et j'avais eu l'idée que les communistes n'étaient pas peut-être assez à gauche. Mais pendant la période de la défense de Madrid, c'est-à-dire quand il fallait faire la preuve, quand on faisait la preuve du fait, j'ai eu la comprobation que les communistes étaient les gens qui combattaient, qui luttaient, les seuls qui avec le peuple, parce que c'est le peuple qui a défendu Madrid, défendait la ville, les seuls qui avaient le courage de se mettre à la tête du peuple. Alors pour moi, certains préjugés, certaines idées que j'avais sur les communistes, on était tout à fait dépassés. Je suis devenu membre du Parti communiste. José Peiratz, ancien dirigeant de la CNT, organisation anarchiste. Je suis né le 15 mars 1908. Je suis né dans une province qui s'appelle Valence. Je suis émigré avec ma famille à l'âge de 3 ans et demi, je suis émigré à Barcelone. À Barcelone, j'ai commencé à travailler dans des ateliers à l'âge de 8 ans. Je suis allé presque jamais à l'école. J'ai appris presque tout ce que je sais pour moi-même. À l'âge de 14 ans, je suis entré dans un syndicat com a assemblea afilié, com a assemblea adherent. I, dans le temps, j'étais mordu per la lutte sociale. Je me fais un militant. J'ai milité à la base, j'ai milité à la direction. J'ai écrit dans les journaux de l'organisation, bien entendu, dans la revue. J'ai fait des petits livres, des brochures. Et dans les ans critiques de 1930, je suis entré dans la lutte à tout plein. J'ai vécu les grands événements révolutionnaires d'octobre 34, de janvier et décembre 33,
Et après, la gloire majeure de ma vie militante a été la participation, ma participation, dans la révolution de juillet. Après, avec la défaite, je suis rentré en France, j'ai passé par les camps de concentration, j'ai migré à l'Amérique et je suis retourné après la guerre, en croyant que c'était la libération de mon pays. Et je suis maintenant encore là. Casares, c'est ton nom de théâtre, un masque. Derrière, il y a une Espagnole, Maria Casares, la fille de Casares Quiroga, l'un des fondateurs de la République en 1931. En fait, ce que nous cherchons, c'est, enfin, à travers moi, je crois que ce qu'on cherche, c'est l'exil, n'est-ce pas? Et la mémoire. Parce que l'exil, moi, en tout cas personnellement, si je vais loin dans ma mémoire, j'ai eu l'impression toujours d'être un peu dépaysé. C'est pour ça que je crois que je ne suis pas un exemple d'exilé, tel qu'on se le représente et l'exil conventionnel. Je dois dire que j'ai senti l'exil relativement. Parce que j'ai vécu un peu partout, mais toujours occupé des problèmes d'Espagne, toujours vivant attentivement le développement de la situation en Espagne, même quand je n'arrivais pas à la connaître à fond. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que si je retournais demain à Madrid, et que si je m'installais là-bas, à la semaine suivante, l'exil pour moi serait disparu. C'est-à-dire, j'aurais l'impression que je n'ai pas été en exil, malgré les longues périodes d'exil qui va déjà jusqu'à 30 quelques années. On maintient l'exil parce qu'on considère que tant que l'exil existera, Franco aura une accusation permanente sur l'illégitimité de son régime. Nous sommes les représentants de la vraie Espagne et l'Espagne qui est là-bas, qui s'est installée là-bas, malgré qu'elle a été reconnue pour tous les gouvernements, c'est pour nous une Espagne illégale, illégalement installée au pouvoir. Nous sommes l'accusation permanente contre Franco et contre tous ceux qui ont reconnu le gouvernement franquiste et ont abandonné la République espagnole et les antifascistes espagnols qui se battaient pour empêcher que ce qui est arrivé quelques mois plus tard arrive. Mais je crois que pour parler de l'exil, d'abord, il faut parler d'une chose dont on ne parle jamais. On parle d'exil, mais on ne parle jamais de patrie.
Or, pour être quand même exilé de quelque part, il faut être exilé de quoi? D'une patrie, de... Et qu'est-ce que c'est que la patrie? Je ne sais pas, moi, j'ai eu l'impression, au cours comme ça, de mon existence, de chercher sans cesse une patrie. Bon, j'en ai une, je le sens, c'est-à-dire, c'est l'Espagne. Je le sens parce que c'est elle qui me donne la vitalité. Même maintenant où je dis que je suis comme un bouchon à la dérive, il suffit que j'ai un rapport comme ça, direct avec l'Espagne quelque part, pour qu'une sorte de vitalité revienne, forte, une sorte d'allégresse. D'allégresse étrange d'ailleurs, mais de goût à la vie. Il y a, entre temps et puis toujours, il y a eu une autre chose, une autre patrie aussi que je me suis donnée, le théâtre. De temps en temps, il m'est donné, parce que j'ai toujours eu de la chance, de me mettre en rapport aussi avec l'Espagne à travers le théâtre même. Et d'essayer de retrouver cette sève et de réunir les deux patries. Mais tout cela s'épuise. Est-ce qu'il faut vraiment... Une chose incompréhensible et qu'il faut que je retrouve ma terre pendant un temps, ou est-ce que simplement que je vieillis et que je m'épuise et que j'ai plus de vitalité? C'est très possible. Et puis, j'ai révélé le nom caché derrière ce... Quand j'ai prononcé ton nom, ça fait l'effet d'un cauchemar. Elle s'est mise à hurler. Sorcière! Je lui ai dit... Et il y avait un transport au cerveau. Ou mal aux dents, je ne sais plus. C'était le moment des vacances. Et tout était prêt en Galice pour nous accueillir à la campagne. Et nous devions partir un soir, je crois, en voiture pour s'arrêter à Léon. Et puis, superstition de ma mère. Elle n'avait pas envie, il y avait quelque chose, les valises étaient déjà dans la voiture. On revit de la voiture. Et dans la nuit, coup de téléphone du Maroc, la guerre avait commencé. Je me rappelle très bien que pendant deux nuits, c'est-à-dire la nuit du 17 au 18 et la nuit du 18 au 19, personne n'a dormi à Barcelone. Les gens se promenaient dans la rue, les hommes tâchaient de trouver des armes là où elles étaient, mais on avait toujours l'espoir qu'on donnerait des armes de la part du gouvernement, c'est-à-dire que le gouverneur civil distribuerait des armes au peuple. Quand on a vu qu'on n'en distribuait pas, pendant la journée du 18, il y a eu des groupes, les plus décidés, qui sont allés aux armureries et les ont complètement dévalisés et ont distribué les armes parmi les jeunes et les militants disposés à attendre la sortie des forces franquistes. En voyant que les forces franquistes ne sortaient pas, pendant la journée du 18, la nuit du 18 au 19, on a commencé à monter la garde autour des casernes. C'est-à-dire que les militaires ne se sont pas décidés à sortir, parce qu'avant de sortir, ils ont vu qu'on les attendait dehors. Le 19, en voyant qu'ils ne sortaient pas, a été le moment de l'assaut des casernes. La défaillance du pouvoir politique. Ahí la défaillance de l'économie. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les grands patrons de l'industrie, compromis dans le mouvement d'insurrection militaire, ou bien par peur, simplement, se sont enfuis à l'étranger. Ils ont abandonné les installations. Ils ont abandonné les entreprises. En plus, il y en avait, il faut tout le dire, qui avait des comptes réglés avec le prolétariat.
Ils avaient des raisons pour fuir. Ils avaient des raisons pour abandonner tout. Alors, il fallait mettre en marche la machine économique du pays. Ce sont les syndicats qui l'ont fait. Ce sont les travailleurs qui l'ont fait. Nous avons été, nous le croyons fermement, le moteur principal de la résistance contre le fascisme. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que si la CNT et la FAI, si le peuple espagnol n'avait été tellement politisé, polarisé vers la lutte contre le fascisme par la CNT et la FAI, en Espagne, la résistance contre le soulèvement franquiste n'aurait pas duré 3 ans. Il faut partir d'un fait. Je crois que je n'exagère pas si dit que sans les anarchistes, il n'y aurait eu pas de procès révolutionnaire. Je le crois. Tu aurais entré dans l'ordre dans quelques semaines, mais il y avait le virus révolutionnaire que c'était les anarchistes. Et alors, ce sont ces gens-là qui ont posé les problèmes révolutionnaires et qui ont agi en révolutionnaire. Alors, son intention, c'était bien entendu de porter la révolution à fond. Mais il y en a eu, comme tu dis, des empêchements. Le premier empêchement grave, 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 c'était la guerre civile, que personne n'y avait pensé. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on pense que partout, il y a eu des guerres révolutionnaires. Dans toutes les révolutions du monde et de l'histoire, la guerre civile a été la conséquence, le résultat immédiat. Pourtant, peut-être nous avons péché d'optimiste en croyant que la révolution, on pouvait la porter à fond devant une conjoncture comme la que s'est présentée le 19 juillet. Des erreurs, nous en avons commis tous, mais à mon avis, l'erreur la plus grande qui a été commis au cours de la guerre et de la révolution en Espagne, c'est méconnaître les facteurs psychologiques qui justifiaient et qui encourageaient, qui soutenaient l'esprit de résistance du peuple. Le peuple s'est battu, pas pour la République démocratique et bourgeoise proclamée le 14 juillet 1931. Le peuple s'est battu pour quelque chose de plus, pour des réalisations de type socialiste que la République s'était avérée incapable de réaliser. Et alors, il a été obligé de réduire les perspectives de cette révolution. Le premier pas, c'était la collaboration avec les forces traditionnelles de gauche. Force traditionnelle qui n'aimait pas la révolution. Même les communistes n'aimaient pas la révolution, parce que du premier moment, ils se sont déclarés pour le statu quo démocratique et contre toute tentative de subversion de l'économie et du point de vue politique. Il y avait dans la guerra civile s'ha comporté un front, comporté una disciplina, comporté una centralització des armées, comporté una ruptura avec des traditions fortement enracinées dans certains militants anarchistes. Les autres, il y avait pas de problème parce qu'ils sont éduqués de notre forme que nous. Alors, nous avons trouvé dans le problème de la militarisation, le problème de la guerra que reléguait tous les autres problèmes. Alors, nous avons eu besoin de freiner notre révolution. Mais je crois que le point le plus important à ce moment, c'est de souligner que le coup d'État qui échoue entraîne la révolution.
Avant le coup d'État, il y avait beaucoup de rhétorique révolutionnaire, il y avait beaucoup de grèves, mais sans système. Mais après, quand le menu peuple a sauvé la République, surtout dans les grandes villes, et quand les ouvriers socialistes et anarchistes se sont rendus compte que la République a refusé de distribuer les armes, que c'était eux qui ont sauvé la République en face de ce coup d'État, ils ont fait la révolution, les collectivisations en Aragon, en Nouvelle-Castille, 70% des usines à Barcelone, plus ou moins 30% à Madrid, tout ça a suivi la suppression du coup d'État par le peuple. Et la guerre est devenue une guerre révolutionnaire pour la gauche espagnole. Et puis, dans un délai de 3 ou 4 semaines, la guerre est devenue aussi une guerre internationale avec l'effort des forces modérées républicaines et socialistes parlementaires de reconstituer un État qui sera acceptable pour les Français et les Britanniques. Et cette contradiction entre une guerre pour défendre les conquêtes révolutionnaires des premières semaines et une guerre pour restaurer l'État démocratique de forme britannique ou français, cette contradiction n'était jamais résolue dans le camp républicain et c'était une cause de faiblesse pendant toute la guerre. Je pense que dans ces polémiques qu'on a fait en Espagne et que les historiens font encore sur ce qu'il fallait faire, la guerre ou la révolution, il y a beaucoup de byzantinisme. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire la guerre sans faire en même temps la révolution. Et on ne pouvait pas faire la révolution sans gagner cette guerre. C'est-à-dire, on ne pouvait pas mener à bout cette révolution sans gagner la guerre. Quand on évoque la guerre civile espagnole, on oublie souvent qu'elle n'était que la forme prise par la plus grande révolution de l'Espagne moderne dans la dernière étape de cette révolution. Et sans comprendre ça, on ne peut pas comprendre les caractéristiques de la guerre civile. Fernando Claudín, ancien secrétaire du Parti communiste, exclu du parti en 1965. C'est pour ça que les analyses de la guerre civile qui présente le soulèvement des militaires et des fascistes comme un soulèvement contre la République comme telle ne touche pas au cœur du problème. En réalité, après la victoire électorale du Front Populaire en février 36, la véritable question qui se posait, c'était la survivance même du régime bourgeois. Gil Robles, chef de la CEDA, parti de la droite catholique, jusqu'en 1936. À mon juicio, à mon avis, la guerre initiée en 1936, la guerre qui a commencé en 1936 est le résultat d'une tension présente depuis des siècles entre deux Espagnes, que sépare profondément des divisions idéologiques, des divisions économiques et des divisions de structure sociale. La monarchie a maintenu pendant longtemps entre ses forces un équilibre. Équilibre qu'il faudrait plutôt appeler une injustice devant ses résultats à long terme. L'avènement de la République donna libre cours à toutes ces forces qui s'affrontaient depuis tant d'années sans en être pourtant arrivées à des chocs sanglants. La République, à mon avis, aurait pu dans ses commencements
beaucoup construire sans être obligé de tellement détruire. Entreprendre une œuvre de modification profonde de nos structures sociales et économiques, en profitant du moment psychologique où se trouvaient les forces conservatrices, plutôt déprimées par le résultat des élections qui avaient amené la République. Au lieu de cela, la République, dans ses premiers temps, détruisit plus qu'elle ne construisit. Elle a cru l'intransigeance à laquelle nous autres Espagnols ne sommes que trop portés, et provoqua, par une réaction naturelle, une intransigeance en sens contraire. Après la proclamation de la République, nous sommes allés habiter à Oviedo, Oviedo où travaillaient deux de mes frères. Et naturellement, là, j'ai pris une part très, très active dans l'organisation de jeunesse socialiste. Après, ça a été les élections de 1933, où les forces de droite avaient triomphé dans les élections. Et à ce moment-là, s'était créé un climat vraiment révolutionnaire, des révoltes, parce que toutes les conquêtes que la République avait accordées de tout point de vue étaient petit à petit supprimées par le gouvernement de droite de Gil Robles. Durante cinco años, por cierto, muy amargos, pendant cinq ans, bien amers pour moi, je me suis efforcé à la tête de ce qu'on pourrait appeler une force centriste d'éviter cet affrontement sanglant. À certains moments, j'ai pu espérer que ce serait possible. Mais à partir de 1934 et du soulèvement des Asturies, j'ai commencé de perdre l'espoir. S'était instauré avec la République un régime démocratique. Et quand un régime démocratique ne reste pas fidèle à son essence, quand une des forces en présence ne respecte pas les résultats d'une lutte électorale et recourt à la violence, le chemin est ouvert pour les plus sombres perspectives. L'année 34 signifia pour moi la rupture des tentatives de conciliation et la conséquence inévitable, c'était la guerre civile. Un livre de Manuel Benavides sur la révolution des Asturies, sur les événements d'octobre 34, où on parle de ta famille. On y dit par exemple, le couple Losa, lui 58 ans, elle 54, habitait le quartier de Pumarine. Les fils, quatre garçons de 24, 23, 17 et 13 ans étaient dans la maison. La porte tremble, secouée par des coups, qui appellent la garde civile. L'une des filles ouvre la porte. Tout le monde dehors. Les quatre garçons descendent du premier étage. Haut les mains, les gardes civils fouillent la maison. Au cours de la fouille, ils trouvent une chemisette rouge du frère cadet. Communiste, crie l'un des gardes, vous êtes cuit. Ce n'est pas tout à fait exact ce que Manuel Domínguez Benavides raconte dans son livre. Et mon frère, mon petit frère, il portait la chemisette rouge des jeunesses socialistes. Alors, aussitôt que la garde civile nous a fait sortir dans la rue, ils nous sont enchaînés. Et ils nous ont amenés sous bonne garde, il y avait peut-être une vingtaine de gardes civils, baïonnettes au canon, ils nous ont amenés au quartel de Pelayo, le sinistre quartel de Pelayo, on pourrait dire. En traversant la cour, il y avait d'abord des Marocains,
des forces marocaines qu'on avait amenées du Maroc. Et en voyant mon frère avec sa chemisette rouge, on leur avait dit qu'il venait pour tuer les rouges. Ils ont essayé de lui enfoncer les baïonnettes. C'est la garde civile qui leur a empêché. Tu vois, ils n'étaient pas daltoniens, les Marocains. Alors, on nous a amenés devant un juge instructeur. C'était le capitaine Nilo Teyakantos. La procédure a été tout à fait simple. Il était là, devant une table nue, une bouteille de cognac Fundador. Il prenait quelques gorgées de cognac de temps en temps. Il nous a demandé nos noms et prénoms. Il a glissé des petits papiers dans des enveloppes blanches. Il a marqué nos noms dehors. C'est tout. À ce moment-là, il dit que le sergent Intel vienne. Nous avons attendu quelques minutes, une ou deux minutes, et il y a un sergent casqué, armé, qui se présente avec deux ou trois soldats. Le capitaine, il dit, non, ce n'est pas vous que j'ai demandé. Je demande le sergent Intel, je ne me rappelle pas son nom, auquel je confiais une mission spéciale. Pendant ce temps, je me souviens très très bien, comme si c'était maintenant, il a pris la bouteille de cognac, une gorgée de plus, je crois qu'il était un peu sous. Et il a pris les enveloppes, il les a passées les unes devant les autres. Et il a lu Luis Losa, Lizardo Losa, Lucio Losa. Nous étions enchaînés, nous trois. Alors, il demande à mon père, vous êtes tous de la même famille? Mon père lui répond, oui, ils sont tous mes enfants. Il me regarde, j'étais jeune. Il me dit, comment tu t'appelles? Lucio. Bon, relâchez-le celui-là. Para una familia, basta con dos. Pour une famille, ça suffit avec deux. Aussitôt après, mes deux frères ont été emmenés par le peloton. Et quelques secondes après, nous avons entendu une rafale de mitraillettes. Après la répression terrible que nous avions suivie aux Asturies, où mes deux frères avaient été fusillés, assassinés. Mon père passait toujours devant la caserne de la garde civile avec deux bandeaux noirs sur le bras. Une fois, la garde civile l'a interpellé et lui a dit « Pourquoi portez-vous deux bandes noires ?» Il s'est arrêté, il les a regardés en face, il leur a dit « Parce que vous avez assassiné deux fils. » Il dit « Ne t'inquiète pas, au prochain tour, ça sera toi qui passeras. » Effectivement, ils ne l'ont pas raté. En 1936, ils l'ont assassiné lâchement après l'avoir gardé sûrement en prison. Ma nièce, elle l'a trouvé étendue par terre avec une balle dans la nuque. Nous ne savons même pas où il est enterré. Mon père, Juan, ma mère, Remedios. Juan est cordonnier, comme moi, comme mon frère. Zapatero, también mi hermano. Cette terre m'a enfanté, et cette terre où je suis né, j'ai le droit au moins de le respirer. Tous nous nous en allons comme des oiseaux par bandes, là où il n'y a pas de pain, où la terre est au gibier, tous s'en vont, même les chiens. Ay, 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 que tojito, que to nos estamos viendo. Como pájaro en
hermandad, por calle donde no hay paz, unos detrás de los otros, dejando tierra pa' coto, hasta los perros se van. En mi familia, pues, mataron a un hermano de mi madre. Dans ma famille, il y a un tué, un frère de ma mère, Salvador, celui qui me ressemblait le plus. D'ailleurs, c'est vrai, il y a un portrait de lui très grand. C'est vrai, physiquement, on se ressemble. Et pour rien, parce qu'au milieu de cet horrible désastre où nous sommes encore, dans cette boue où nous sommes, tout ce qu'elle a laissé derrière elle, cette horrible guerre civile, il n'avait rien fait, lui. No había hecho nada. Solamente era un arriero de borrico. Il était seulement muletier. Transportait le charbon entre la Puebla et Villanueva. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené, et ensuite ils ont rapporté la nouvelle à sa femme, qu'il l'avait tué à Osuna. Ay, así murió Juan García. Ainsi est mort Juan García. Il n'a pas fait de testament. Así murió Juan García. Mais ce que Juan a laissé, le peuple l'a recueilli. Lo que Juan dejaba, el pueblo lo ha... Madrid 1972. Dionisio Redruejo, ancien dirigeant falangiste, chef provincial à Valladolid et directeur des services de propagande de la Falange pendant la guerre civile. En 1942, il rompt publiquement avec le régime issu de la guerre civile. Il dira plus tard : parmi les vainqueurs, nous sommes nombreux à nous sentir vaincus. Nous avons choisi d'être du côté des vaincus. La guerre civile, c'est elle qui est venue me chercher. No fui a buscarla. Moi, je ne suis pas allé la chercher. Mi grado de Mon degré d'initiation à la conspiration était trop faible. Muy bajo. Je vivais alors dans une capitale de province particulièrement dépourvue de tensions.
Je n'ose pas dire particulièrement paisible parce que rien n'est quelquefois moins paisible qu'une absence exagérée de tension. Cette ville, c'était Ségovie. C'était une ville où il ne se passait jamais rien. Il y régnait une forte influence cléricale. C'était une ville d'ordre. C'était une ville qui élisait systématiquement au cortège des députés de droite. Diputados a cortes para la derecha. En Segovia había un gobernador civil. À Ségovie, il y avait un gouverneur civil, c'était un commandant. Un maire, c'était un capitaine. Et un chef supérieur de la police, également un militaire. Et le contrôle des faits et gestes de la population armée ou désarmée était entre leurs mains. De sorte que tout ce qui se passait sous contrôle. Si l'on accepte certaines formes, disons, anarchiques, de morts violentes qui s'accomplissaient sur les routes. La répression avait été dure à Valladolid, capitale du mouvement. Les nouvelles de Valladolid arrivant à Ségovie provoquèrent également une action répressive. Et bien que parmi nous il se soit trouvé des gens pour la tempérer, nous n'avons pas pu, peut-être parce qu'au fond nous ne croyions pas que c'était possible, ou même parce que nous étions convaincus que la fatalité historique d'un mouvement de cette nature incluait un certain degré de répression, nous n'avons pas pu l'empêcher totalement. Cette étape a été brève, mais du point de vue de la formation de ma conscience personnelle, décisive. C'est un compte que je n'ai jamais réglé avec moi-même. Le fait de m'être trouvé relativement paralysé devant quelque chose qui me paraissait fondamentalement condamnable. J'ai peut-être mis à le dénoncer plus de courage que d'autres, mais en fait, à ce moment-là, personne n'a eu assez de courage. Ian Gibson, professeur de littérature espagnole à Londres, auteur d'un essai sur la répression franquiste à Grenade. À Grenade, les nationalistes ont fusillé au moins 10 000 personnes. Et évidemment, le cas Lorca n'est pas un cas exceptionnel. Il n'y a pas de mystère sur la mort de Lorca. Moi, je crois que la mort de Lorca était due à une dénonciation faite par les membres de l'Action Populaire, c'est-à-dire le parti catholique qui faisait partie du groupement de la SEDA, le parti de Gil Robles. Mais il faut se rendre compte de ce que c'est un système militaire pour éliminer tous les républicains, tous les socialistes, tous ceux qui n'étaient pas avec les nationalistes. Et c'est le système militaire qui a tué Lorca. Et que la dénonciation fut faite par la phalange ou par l'Action populaire, ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, les phalangistes disent, nous n'avons pas tué Lorca. Mais alors, les phalangistes à Grenade ont tué des centaines de gens innocents. En el patio ladra el perro, en los árboles canta el viento, los bueyes mugen al boyero y la luna me riza los cabellos. ¿Qué pides, niño, desde tan lejos? Dans ce théâtre où l'on joue Lorca aujourd'hui, fut fondé en 1932 le parti fasciste espagnol, la Falange. Hasta esa fecha, abril de 1937, jusqu'à cette date, avril 1937, le soulèvement dans son ensemble offrait un aspect informe de bandes militaires insurgées. Et ce caractère flou préoccupait évidemment les alliés, pour autant qu'on puisse parler formellement d'alliés, du mouvement nationaliste. Del movimiento nacionalista.
particularmente a los italianos. Particulièrement les Italiens, qui se sentaient les plus responsables ou co-responsables du destin de ce mouvement. Il semble que différentes pressions furent exercées sur Franco pour le forcer à mettre en forme cette situation de simple camp militaire en révolte. Ainsi naquit l'idée de constituer un gouvernement. Un gouvernement qui pourrait être reconnu, qui pourrait porter la responsabilité politique et plus seulement militaire de la situation générale. Je crois qu'à ce moment, la perspective la plus probable était celle d'un gouvernement militaire dans lequel le général Mola aurait joué un rôle important. Mais c'est à ce moment qu'apparaît à Salamanque, où se trouvait le quartier général de Franco, un homme nouveau, un peu plus intelligent que ceux qui entouraient Franco depuis le début, qui s'appelle Serrano Suñer. C'est le beau-frère de Franco et son ami personnel. C'est lui qui a introduit Franco dans la conspiration. Et comme de ce fait il a sur lui quelque autorité, Serrano décide de donner une cohérence à tout ça par la création d'un État de type plus ou moins fasciste. Cet État doit avoir pour instrument un parti unique, sinon il ne correspondrait pas au modèle. Mais en outre, la constitution de ce parti unique est déterminée par une situation assez anormale, assez étrange. D'un côté, un chef sans masse, de l'autre, des masses sans chef. Or, en fait, le phalangisme avait connu un développement fabuleux. Il approchait sans doute du million de militants à partir des 60 000 d'avant-guerre. Ce développement faisait la seconde force après l'armée. Il était même numériquement supérieur aux forces carlistes. Il avait fait disparaître les autres forces d'appoint comme les monarchistes ou les catholiques populistes. Lorsque nous sommes arrivés à Salamanque, tout paraissait consommé. Il s'était produit une crise interne dans le système de commandement du parti phalangiste. Ce qu'il avait déclenché fondamentalement, c'était l'annonce de l'unification qui se préparait. Le conseil de commandement, qui était un organe collégial, avait destitué son président Edilla et l'avait remplacé provisoirement et encore secrètement par un triumvirat, assez médiocre d'ailleurs. À partir de là, c'est l'affrontement entre les amis d'Edilla, le destitué, et ceux du triumvirat vainqueur. Cet affrontement prit une forme violente avec la mort de deux phalangistes à Salamanque. Cet incident fut automatiquement et immédiatement exploité par ce que nous appelions le quartier général, appellation globale d'un ensemble de personnes à la tête desquelles se trouvait Franco, pour produire unilatéralement le décret d'unification des partis, où Franco se constituait le chef suprême et unique de cette nouvelle formation, qui s'appelait d'une façon si longue que personne n'a jamais été capable de se le rappeler, Phalange espagnole traditionnaliste des conseils d'offensive nationale syndicaliste. Un mois après la résolution de cette crise dans le camp franquiste, une crise symétrique éclate dans le camp républicain. À l'unification de l'État fasciste correspond celle de l'État démocratique bourgeois. À Barcelone, en mai 1937, sous l'influence des conseillers soviétiques, le gouvernement républicain, ressuscité de ses cendres de juillet 1936, reprend le contrôle de toutes les activités économiques et politiques. Les collectivités syndicales, les comités des milices populaires, dirigés essentiellement par des militants anarcho-syndicalistes de la CNT, sont dissous ou réduits à la portion congrue. De leur côté, les communistes catalans du PSUC, Parti socialiste unifié de Catalogne, font campagne pour une alliance plus étroite de toutes les forces sociales saines de la Catalogne contre Franco, les trotskistes et les irresponsables. Le 3 mai 1937, la police régulière, reconstituée et commandée par un militant communiste, occupe le central téléphonique, que contrôle encore un comité ouvrier des syndicats UGT, socialistes et CNT, anarchistes. Cette intervention provoque l'affrontement armé à Barcelone. Et alors, a eu le choc entre les anarchistes, qui était préparé, naturellement, et la force publique qui était en main de la Généralité
qui a joué les jeux des communistes, parce que la généralité était gérée par le parti Esquerra Republicana, que c'est le parti de la petite bourgeoisie. Et cette petite bourgeoisie nous en voulait fort, parce que nous avons collectivisé. Nous avons planté une situation révolutionnaire. Et alors, par affinité tactique, toutes ces forces faisaient le jeu de la stratégie contre-révolutionnaire du communisme. Qui est à l'origine de ce complot, de ce coup monté? Je n'en sais rien. Ce sont les agents russes. Ce sont les agents franquistes. Ce sont agents russes et agents franquistes, pas d'une façon consciente, travaillant ensemble, mais chacun de leur côté. Ce sont les entrevues des éléments de l'État catalan avec Dencas à la tête qui ont été lus à Paris et on parle avec des éléments phalangistes. On ne sait rien. Ça, je ne le sais pas. Mais ce que je suis certaine, c'est que tout a été fait pour produire les chocs entre les éléments de la CNT et les éléments du Parti Socialiste Unifié de Catalogne, le PSUC, qui ont été les deux forces en face et qui se sont affrontés les armes à la main. À ce moment-là, après la délimitation des camps qui s'était produite pendant toute l'année 1936 et jusqu'au mois de mai 1937, on pouvait dire que les forces qui se considéraient révolutionnaires en repli par la force des choses et par les manœuvres, surtout des communistes, étaient le PUM et la CNT. Willibaldo Solano, dirigeant du PUM. Le PUM, c'est-à-dire le Parti ouvrier d'unification marxiste, a été fondé en septembre 1935, c'est-à-dire à la veille des grands événements qui se sont produits en Espagne en 1936, sur la base de l'unification de la gauche communiste, organisation trotskiste espagnole, et du bloc ouvrier et paysan, une organisation communiste indépendante constituée en Catalogne en 1930 et qui était devenue le premier parti ouvrier de la Catalogne à la veille de la guerre civile. Le PUM a rassemblé donc pour la première fois depuis de longues années tous les marxistes révolutionnaires d'Espagne dans une seule organisation. Mais son but n'était pas seulement de rassembler les militants de la gauche communiste et du bloc ouvrier et paysan, sinon dans le contexte de l'époque, de rassembler toutes les forces marxistes révolutionnaires dans un grand parti capable d'être une alternative à la social-démocratie et au mouvement stalinien. À cette époque-là, les problèmes politiques et idéologiques avec les PUM se sont compliqués du fait que dans le mouvement communiste, dans l'international communiste, et comme un reflet des contradictions antérieures de la révolution russe, on considérait les PUM, les trotskistes en général, comme une alliance de l'ennemi fasciste. C'est-à-dire, on ne les considérait pas comme un courant dans le mouvement révolutionnaire. On les traitait comme les agents du fascisme. Pendant en certaines périodes, malgré cela, le PUM a participé au Front Populaire. C'est seulement en 1937, au moment où se produit le soulèvement du PUM et d'une partie de la faille des anarchistes contre le gouvernement de la République, que la répression se produit. À mon avis, objectivement, ces répressions, dans certaines limites, étaient justifiées. Parce que
quand pendant une guerre, encore plus une guerre révolutionnaire, il y a un soulèvement contre le pouvoir qui dirige ces guerres révolutionnaires, ça, objectivement, est un appui à l'ennemi. Seulement, si les choses s'étaient passées d'une autre manière, c'est-à-dire, s'il n'y aurait pas eu cette appréciation du poum comme une agence de l'ennemi qui venait, je répète, du reflet des contradictions internes en Union soviétique. Et si on aurait traité avec le poum comme avec un courant gauchiste, trotskiste, mais un courant, on peut se demander si les choses seraient arrivées à l'extrême qu'elles sont arrivées, c'est-à-dire s'il y aurait eu le putsch de mai, s'il y aurait eu ce soulèvement. L'histoire est difficile à refaire. En tout cas, aujourd'hui, je pense que même pour ceux qui, à cette époque-là, avaient été convaincus, et moi j'étais un d'eux, que le trotskisme était un instrument de l'ennemi de classe. Aujourd'hui, après toute l'expérience historique, il est clair que le trotskisme a été incurant. Et même aujourd'hui, de plus ou de moins grande importance, le trotskisme est incurant dans le mouvement marxiste. On peut ne pas être d'accord avec le trotskisme, je ne suis pas trotskiste, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de points de vue de trotskistes, mais de là à considérer le trotskiste comme un parti de provocation, comme un instrument de... il y a un abîme. En mai 37, il y a eu un affrontement entre les forces révolutionnaires et réactionnaires dans les camps républicains. Le prolétariat de Barcelone a dressé des barricades, s'est emparé de la ville pratiquement, et le gouvernement de la Catalogne a réagi très mollement, a essayé de négocier et a réussi finalement, en vertu d'une négociation, à arrêter la lutte armée dans la rue de Barcelone. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce que voulaient les ouvriers? Les ouvriers de Barcelone voulaient le pouvoir. C'était très clair. Ils voulaient que le pouvoir économique qu'ils avaient dans les usines, que les armes qu'ils gardaient à ce moment-là, permettent l'instauration d'un pouvoir politique révolutionnaire réel, d'un pouvoir socialiste. Et ils pensaient que seulement ce pouvoir socialiste pouvait ouvrir la voie de la victoire sur Franco. Pour les forces bourgeoises et staliniennes, le problème était tout à fait différent. Il fallait à tout prix écraser les prolétariats de la Catalogne, qui étaient l'avant-garde de la révolution à l'époque, et elles ont organisé une provocation. Et cette provocation a donné comme résultat, après une lutte d'une semaine, que la classe ouvrière a été battue. Et à partir de ce moment-là, tout le cours des événements a changé. La CNT n'était pas encore assez démunie de force et d'énergie pour pouvoir être exterminée. Mais les pommes, oui. Alors, pour les pommes, ont été les arrestations, la disparition monstrueuse de Nîmes, il a disparu corps et âme sans que personne ne sache ni s'il a été tué, ni s'il a été amené en Russie, ni s'il a été dissous dans l'acide sulfurique. Personne ne sait qu'il est devenu Nîmes. On a fait des démarches, on a parlé avec Negrin, on a parlé avec, avec Iruko, et toujours en disant, nous ne savons pas rien, nous ignorons même qui l'arrêtait, nous n'en savons rien, nous enquêtons, la police est sur les dents, on les cherche, mais on ne l'a jamais retrouvé. Juan Andrade, fondateur du Parti communiste en 1920, dirigeant du PUM. Quand la police fue detener a Andrés, quand la police est venue arrêter Andrés, je n'étais pas au local. C'était un pur hasard. Généralement, nous sortions ensemble des réunions et retournions ensemble à nos bureaux qui étaient voisins. Mais j'étais malade. J'avais été me faire faire une piqûre.
Une chance qui m'a valu de ne pas être arrêté cette fois-là. Sinon, j'aurais eu le même sort que Nin. Nous savions parfaitement que nous étions menacés. Je me souviens, c'était quelque chose que l'URSS ne pouvait pas tolérer. Je me souviens d'un voyage à Valence où j'avais eu la visite de Louis Fischer, le fameux journaliste américain. Je l'avais rencontré quelques fois dans les milieux de presse à Madrid, mais je ne le connaissais pas particulièrement. Et je ne savais évidemment pas quel rôle il allait jouer plus tard comme trésorier des brigades internationales et comme agent du ministère des Affaires étrangères de la République espagnole. Louis Fischer me dit, vous allez à la mort. Je lui dis, pourquoi ? Vous serez écrasé comme une vipère. L'URSS ne peut pas tolérer les positions que vous prenez. Et il ajouta, parce que dans le fond, c'était un sceptique et un cynique, Louis Fischer, il ajouta, vous ne savez pas ce qui se passe à Moscou quand ils arrêtent un opposant. Si les maisons pouvaient trembler au même rythme que leurs habitants, ce serait un spectacle fantastique. Et il répéta encore, vous serez écrasé. J'étais arrêté finalement en mars 38 par la police stalinienne de Barcelone. J'étais conduit en prison, mais j'étais arrêté trop tard pour être intégré dans le groupe des dirigeants du PUM, c'est-à-dire le groupe pour le premier procès du PUM. Alors, avec moi et les camarades qui ont été arrêtés à ce moment-là, on a organisé un deuxième procès qui n'a pas pu se faire, étant donné que les troupes franquistes, malheureusement, ont pris la Catalogne avant que toute la procédure juridique soit arrivée jusqu'à la fin. Mais j'étais en prison, je rejoins en prison à ce moment-là. Les autres dirigeants du PUM m'arrêtaient en juin 37, sauf Andrés Nin, qui évidemment avait été tué dans les conditions qu'on connaît. Dans cette situation-là, au moment même où commençait la répression, nous nous sommes aperçus, et moi en particulier, que l'homme qui avait conservé le plus de courage civique, de dignité, de vigueur contre l'injustice, était le ministre de la Justice, Irujo. Bien qu'il fût peut-être de tout le gouvernement le plus éloigné de nos idées politiques, c'était un conservateur, son esprit chrétien qui n'admettait pas l'arbitraire, et aussi son point de vue de juriste lui permettait de comprendre où était l'injustice. Manuel Irujo, conseiller du gouvernement basque en exil, ministre de la Justice du gouvernement républicain, en mai 1937. Au putsch de Barcelona, plus de mai de Barcelona, disparate, quelque chose épouvantable. Le PUM avait participé. Eh bien, le Parti communiste orthodoxe profita du moment pour mettre le PUM dans un procès difficile et après faire disparaître Nin. Le procès du PUM continua contre Gorky, Gironella, etc., etc. Je ne connaissais pas à cet homme du PUM. Je ne suis pas du PUM. Je n'avais pas avec le PUM aucun contact. Mais je suis un homme de droit. Je suis un démocrate. J'étais à Paris. Et M. Osorio, l'ambassadeur
de la République Espagnole à Paris. M'appelle là, me dit, et voilà. Mais j'ai eu l'accusation du procureur contre les sommes d'époux et pour trahison. Avec peine de mort. C'est quelque chose vraiment épouvantable. Parce que les hommes d'Ipoum étaient démocrates, étaient républicains, étaient fous. Et c'est une autre chose. Mais pas avec possibilité de les accuser de trahison. C'est un disparate, c'est quelque chose horripilant. Et je le dis, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? L'avocat demande si vous pouvez aller. Mais oui. Et comment? Voilà un avion. Eh bien, je prends l'avion et l'avion dérapa à Toulouse. Et de Toulouse à Barcelone, je fais un ferrocarril, un chemin de fer. J'arrive à Barcelone après donner une avis télégraphique au tribunal, au court. J'arriverai avec retard, parce que j'allais dans les chemins de fer et les services de train de chemin de fer n'étaient pas dans ce moment-là comme aujourd'hui sont les services français qui arrivent aux secondes, aux minutes. Et j'arrive. Quand j'arrive là, était tout le monde attendant la déclaration. J'ai presté déclaration pendant 2 heures, 1 heure, 3 quarts. Et j'ai commencé pour dire, je ne connaissais pas ces hommes qui sont là. Je n'ai changé mon salut avec elles jamais. Et je ne suis pas d'accord avec les putsch demain. Mais c'est une chose et une autre chose tout à fait différente, c'est le procès. Et je mettre avant le tribunal avec tous les éléments que j'avais, que j'avais connaissance, pour définir avec toute exactitude possible quel était vraiment l'essence de l'exact commis par cet homme-là. Eh bien, le procureur m'a fait le cadeau de, dans ce moment-là, dire, je retire mon accusation de trahison, j'accuse de sédition. La sédition était punie avec 30 ans, mais 30 ans était la vie. Et la trahison était punie avec la mort. La différence était entre la vie et la mort. Bon, je pense qu'il il faudrait dire d'abord que le fait d'avoir né en Espagne, et j'entends l'Espagne d'après la guerre civile, ou plus concrètement d'avoir été élevé puisque j'étais né pendant la République. C'est une tragédie, c'est un malheur de l'ordre d'avoir né, disons, impotent ou avec une maladie grave, disons, être aveugle, sourde, enfin, un handicap de cet ordre. Parce que le fait de ne pas avoir la possibilité de développer l'esprit librement, de ne pas avoir la possibilité d'avoir un accès à la culture, d'exprimer les idées librement,
de faire de la politique librement, de s'associer librement, d'écrire librement, c'est une sorte de mutilation, à mon avis, aussi grave que toutes ces impotences qu'on peut appeler physiques. Donc, c'est une tragédie qu'il faut surmonter comme on peut. Évidemment, je me suis rendu compte de ça seulement à l'âge de la raison. Je peux affirmer que depuis le moment où j'ai arrivé à penser par moi-même, j'essayais de lutter contre cette situation, contre cette impotence que je sentais par tous les moyens. D'abord, quand j'étais en Espagne, j'essayais d'avoir un accès à la culture, puisque ce qu'on m'avait donné, ce qu'on m'avait enseigné à l'école, tout était faux. J'étais en complète et totale rébellion contre ce qu'on m'avait enseigné, contre la version officielle de l'histoire d'Espagne, contre le régime ici de la guerre civile. C'était un processus très lent, parce que il faut dire qu'à l'époque où j'étudiais, où j'étais jeune, j'étais à l'université, en Espagne, se procurait des livres, se procurait de l'information, disons un roman de Camus, de Sartre, d'André Gide, n'importe quoi, était beaucoup plus difficile que de se procurer de la drogue maintenant en France, en Amérique ou dans n'importe quel pays capitaliste. Bon, mais je dois dire aussi que toujours j'ai eu cette obsession à partir de cet âge-là de quitter le pays. À vrai dire, c'était une obsession qui était mélangée avec le contraire, dans le sens que j'ai toujours eu, disons, des tendances, des possibilités devant moi et à l'intérieur de moi. Une, c'était de fuir, de quitter ce pays duquel j'ai conservé un souvenir tout à fait désagréable, du fait de que mes premiers souvenirs étaient de la guerre civile et après de ce système que comme je répète, j'ai toujours détesté. C'est dans cet équipage que le général Franco s'est rendu au Cortés pour exposer le projet de règlement de sa succession à la tête de l'État. En désignant Don Juan Carlos de Bourbon, le caudillo a virtuellement réuni les conditions d'un franquisme sans Franco. Approuvé à une écrasante majorité, le projet instaurant la monarchie fait de Juan Carlos le second personnage de l'État. Y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado. Le prince d'Espagne a juré loyauté au chef de l'État et fidélité aux principes du mouvement national. C'est ici que Juan Carlos rencontre son père. Bien que Juan Carlos soit le futur roi, il doit le respect à son père, chef de la maison, et il le salue donc avant de l'embrasser. Je crois que je devrais vous appeler Altesse, mais... Enfin, j'ai pas tellement l'habitude. Est-ce que ça vous choque beaucoup si je ne vous appelle pas Altesse? Non, ça dépend du moment. Si on serait une chose officielle, peut-être. Non, vous ne regrettez pas, enfin, de ne pas avoir été un jeune homme comme les autres? Non, parce que je suis né prince. Alberto Martín Artajo, ministre des Affaires étrangères de Franco de 1947 à 1957. Son fils, José. J'avais 13 ans en 1945, quand mon père était fait ministre des Affaires étrangères de Franco. Donc, toute mon adolescence et toute ma première jeunesse a eu lieu dans ce climat d'asphyxie. Nos possibilités de communication avec le peuple espagnol dans quelques secteurs qui n'étaient pas précisément la bourgeoisie plus contrôlée, plus prochaine du régime, étaient pratiquement impossibles ou très difficiles, et même si on l'en faisait quelques efforts pour établir quelques contacts avec les travailleurs, etc. C'était pratiquement une sorte de comédie macabre, naturellement, c'était évident. Nous étions les señoritos, ou
le fils à papa qui allait travailler dans les usines. En 1967, où j'étais encore au service diplomatique, j'étais en Grèce et j'étais jusque-là. La rupture extérieure avec le système en total avait été plutôt lente et graduelle. Et moi, je me croyais justifié d'un point de vue d'utilité sociale, etc. Et quand j'étais encore dans le service diplomatique, je pensais que je pourrais faire quelque chose d'utile. En tout cas, c'était utile que j'étais là en occupant un poste que autrement serait occupé par quelqu'un d'autre, etc. Mais en 1967, ma capacité d'ambiguïté était dépassée. Alors, ma mauvaise conscience et tout cela était plus fort que moi. Alors, je rompais définitivement avec la carrière diplomatique et dans la suite avec mon propre pays, parce que je commençais à publier les choses que j'avais écrites pendant des années, des choses qui entraînaient tout naturellement des procès en Espagne, donc mon statut d'exilé. Nous tendons en général adopter une position d'exil total et désespéré, un peu comme Juan Goiti Solos ou comme José Hierro, hein, ce poème de faire l'Espagne s'enfoncer dans la mer et s'oublier de l'Espagne, etc. C'est aussi que quand on parle avec les vieux exilés maintenant, on se rend compte qu'ils sont en contact profond et véritable avec un peuple espagnol qui pour nous est un peu purement littéraire. C'est une sorte de fantôme. La guerre d'Espagne, c'était les gens qui voyaient venir le triomphe du fascisme sur l'Europe et qui ne voulaient pas du triomphe du fascisme. Et quand vous pensez au début, c'est extrêmement impressionnant, parce que au début, les combattants espagnols, car je répète, au début, il n'y avait pas d'internationaux, les combattants espagnols étaient des gens qui avaient des idéologies extrêmement différentes les unes des autres. Entre les syndicats, car la réalité dite anarchiste n'a jamais été autre chose de sérieux qu'une réalité syndicale. C'était pas le fait qu'on vende Tolstoï ou Bakounine sur les boulevards de Barcelone qui avait un sens. C'était que les gens qui avaient dévalé pour la grève générale avec les tramways lancés à toute volée à travers Barcelone se battaient. Eh bien, ces gens étaient à mille lieues des communistes et d'ailleurs en très mauvaise relation avec eux. Mais ça n'a joué aucun rôle. Ce que j'ai appelé, n'est-ce pas, dans le livre, l'illusion lyrique, c'est-à-dire le moment où la révolution se déclenche, a été entièrement, alors là je reprends le titre du livre, un immense espoir. Lucy Duran, son père, Gustavo Duran, a inspiré à Malraux le personnage de Manuel dans L'Espoir. J'en avais une vague idée. Quelqu'un m'avait dit quelque chose à propos du livre, mais je ne l'ai pas lu, et mon père ne m'en a jamais rien dit de précis. Une très vague idée. Bon, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu dire à tout le monde, qu'il était le plus jeune général de la guerre d'Espagne. Mais je dois dire à ma honte que je n'en sais pas beaucoup plus. Il ne m'en a jamais parlé, et tout ce que j'ai pu en entendre, c'est par bribes. Quand il recevait des amis espagnols, particulièrement ceux qui avaient fait la guerre avec lui, évidemment, il parlait un peu de leurs souvenirs. Mais à part ça, il n'en a jamais parlé à aucun de ses enfants, il n'a jamais essayé d'éveiller en nous un intérêt quelconque pour tout ça. Il n'a jamais essayé d'éveiller un intérêt quelconque pour tout ça.
Je me souviens, j'avais 11 ans. Il y a aussi un passage dans Pokison le Glas où Hemingway parle de ma père sous son vrai nom. J'ai lu le livre et tout d'un coup je suis tombée sur le passage, je ne savais rien. Je lui ai demandé et il m'a dit oui, oui, c'était moi. Et bon, ça me semblait tellement extraordinaire d'arriver à l'âge de 11 ans sans jamais avoir su que mon père avait été un ami d'Hemingway et qu'il avait joué un rôle important dans la guerre d'Espagne. À la Courneuve, au centre dramatique de la Courneuve, nous déchiffrions l'espoir de Malraux. Pour la plupart d'entre nous, Malraux n'était que le nom d'un ancien ministre. Brusquement, à cause de l'Espagne, à travers les personnages du roman, Manuel, Vargas ou Magnin, Malraux devenait quelqu'un avec lequel il n'était pas impossible de parler. Le livre, c'est la transformation de ce que j'avais appelé l'illusion lyrique, c'est-à-dire du désordre fondamental et de l'élément émotif, n'est-ce pas, par lequel débute toute révolution, sa transformation en structure véritable qui pourrait permettre le véritable combat contre des forces ennemies organisées. En somme, je dirais, le sujet du livre, c'est une révolution ne peut pas se survivre sur ses sentiments, il faut qu'elle se survive par ses structures. Alors, comment passe-t-on du premier élément au second? C'est à mes yeux l'axe même du livre. Et les personnages sont eux-mêmes tous pris là-dedans. Comment peut-on passer de quelque chose qui, en somme, est la lutte pour la justice, et par là un sentiment qui n'est pas tellement loin des sentiments religieux, hein. Comment peut-on passer de là à quelque chose de profondément différent qui est la lutte pour la victoire? Il faut organiser pour gagner la guerre, d'accord, mais gagner la guerre, pourquoi? Oui, mais parce qu'il part, oui, non, mais il part de toute façon d'une révolution au départ qui devient une guerre. Et à partir du moment où, ça devient une guerre, il y a un problème d'organisation de la révolution. Oui, effectivement, mais il y a tout de même une phrase qui est assez... La révélatrice, elle est de Garcia ou de, je ne sais plus, de Vargas, il dit « Nous ne sommes pas la révolution. Nous ne sommes pas la révolution. » Et en plus, il donne, nous sommes le peuple, il donne une définition de la révolution qui, oui, qui implique le fait qu'il n'y ait pas de révolution. Parce qu'il dit, c'est... c'est la... Attends, est-ce que c'est... C'est la première page. C'est ça. J'appelle révolution la conséquence d'une insurrection dirigée par des cadres formés dans la lutte, etc. Or, précisément, ça n'a pas été ça. En tout cas, très peu. Je pense qu'un jour, j'irai vivre en Espagne. Et pour moi, il est tout à fait inconcevable d'aller en Espagne et de ne pas avoir une action politique et militante et autre. Et je pense que ça va certainement poser un problème avec le théâtre. Si je peux le continuer, je le ferai. Mais pour pouvoir le faire d'une façon approfondie et systématique, il faut prendre du temps sur l'action politique et sur d'autres activités qui, à mon sens, en tout cas pour moi, sont plus importantes que le théâtre. Et je crois que s'il faut choisir, je laisserai le théâtre, certainement. En fait, il y a une coïncidence. Il y a une coïncidence entre ma découverte de l'Espagne et ma découverte d'une certaine réalité politique qui n'était pas seulement celle de l'Espagne. C'était beaucoup plus général. De toute façon, toutes les deux étaient liées. Et pour moi, ça coïncidait dans le temps. C'est-à-dire, en 64, ça a été... point de vue familial, il y a eu une rupture, point de vue familial ou point de vue politique. À l'époque, je ne l'ai pas tellement vécu à un niveau politique, je l'ai vécu à un niveau plus affectif.
En fait, ça a été vraiment, pour moi, ça a été un tournant, 64. Ça a été tout à fait une coïncidence avec l'Espagne, mais il s'est trouvé que les deux choses se sont accumulées. En 64, mon père a été exclu du parti. Il a été exclu un peu plus tard, mais c'est en 64 que c'est commencé, pour divergence politique à l'intérieur du parti. Mon père posait un problème à propos de l'analyse de la situation espagnole. En gros, c'était ça, c'était l'essentiel. Et il voulait porter ce problème que lui avait vécu et qu'il avait analysé ou essayé, commencé à analyser, il voulait le porter au parti, à la discussion du parti. Et comme les méthodes à l'époque étaient celles que l'on sait, il n'y a pas eu de discussion, elle a été exclue purement et simplement. S'il y a eu le fait que j'ai commencé à réfléchir par moi-même, et le fait qu'il y a eu l'exclusion de mon père, et dans la vie d'un exilé, c'est très important. Parce que tout ce monde privilégié que je connaissais, qui me semblait être quelque chose de tout à fait naturel, tout à coup a disparu. C'était le vide total. Les gens qu'on connaissait et qu'on aimait ne vous reconnaissent plus. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est le moment des questions. L'éclatement de la guerre civile et le caractère prolétarien qui prenait la révolution espagnole plaçait à Staline devant un problème très difficile. La seule possibilité apparente de concilier l'aide au prolétariat espagnol avec les nécessités de la diplomatie soviétique était que ce prolétariat ne dépasse pas ce que la bourgeoisie franco-anglais pouvait admettre. Donc, il fallait faire reculer la vague révolutionnaire qui avait déferlé par toute l'Espagne républicaine au cadre démocratique bourgeois parlementaire, duquel elle n'aurait jamais dû sortir pour ne pas mettre en difficulté la politique de Staline. Ça a été la guerre, ça a été le front jusqu'au mois d'octobre 1936. À ce moment-là, les premiers conseillers militaires soviétiques arrivent avec du matériel, une dizaine d'avions et 14, je crois, des blindés, etc., etc. Et comme je parlais le russe, j'avais eu l'occasion de l'apprendre pendant mon séjour en Union soviétique, je l'aimais beaucoup d'ailleurs le russe, et on m'a sorti du front pour servir d'interprète à un colonel soviétique, colonel Pavlovitch, colonel d'aviation, avec lequel j'ai travaillé jusqu'au mois d'octobre 1937. La première vague des conseillers militaire soviétique et l'aide soviétique elle-même, elle a joué un rôle important dans la conduite de la guerre. Et c'était des hommes, en principe, des vieux bolcheviques, des gens qui avaient participé à la guerre civile, je dirais des purs, qui nous aidaient vraiment avec beaucoup d'efficacité. Il y a eu par la suite, et ça, ça coïncidait à peu près avec le début des procès de Moscou, une nouvelle génération, disons, de conseillers soviétiques qui n'avaient plus les mêmes qualités. C'est-à-dire, à mon avis, c'était des gens qui cherchaient avidement dans la Pravda, voir si on leur avait décerné une décoration ou si ça avait monté en grade. C'était, à mon avis, leur souci principal. Je parle en termes général. Et la troisième vague des conseillers soviétiques, alors celle-là, à mon avis, et le procès de Moscou battait son plein. Il y avait une répression d'ordre politique et dans l'armée, alors ces gens-là, ils ne songeaient qu'à une chose, faire de telle façon à
sauver sa peau. Il ne songeait qu'à sauver sa peau. L'aide soviétique à l'Espagne a été un élément très important. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, c'est la seule aide extérieure que la République a eue. Que ni la France, ni l'Angleterre, ni les soi-disant, aucune des soi-disant démocraties occidentales ont voulu honorer ces compromis avec la République espagnole. Et en ce moment, il est clair que l'aide de l'Union soviétique a été un élément très très important de la guerre et de la révolution espagnole. Et les soviétiques ont envoyé des matériels, il n'est pas tout arrivé parce qu'il y avait les blocus, il y avait la politique de non-intervention du gouvernement français. Et les soviétiques ont envoyé des conseillers militaires. Il faut dire que dans les conditions où nous luttions, les conseillers militaires soviétiques ont joué un rôle positif parce que les chefs de l'armée populaire n'étaient pas des hommes préparés du point de vue militaire, n'étaient pas des techniciens militaires. Alors la coopération de ces techniciens a été extraordinairement utile. Il est clair aussi que toute aide, même l'aide la plus désintéressée, détermine une influence sur les événements. Il est très difficile pour un peuple qui reçoit dans un moment critique de son histoire où l'armement qui vient d'un pays comme c'est le cas de l'Union soviétique à ce moment est comme l'oxygène. Il est clair qu'un peuple qui est isolé internationalement, qui est bloqué, il est clair que les pays qui donnent une aide a une influence. Au commencement de la guerre, les Soviétiques n'avaient pas l'intention d'intervenir. Ils ont fait partie de la commission de non-intervention, mais fin septembre, début octobre, en vue de l'intervention ouverte, vantée, on peut dire, des Allemands et des Italiens, les Soviétiques ont dit qu'ils ne seraient pas limités plus que les autres pouvoirs. Fin octobre, ils ont envoyé des bateaux avec armes et avec des médecines et du blé à Valence. Et dans les derniers jours d'octobre, je crois que c'était le 23 octobre, on a vu les premiers tanks soviétiques près de Madrid et puis à la fin du mois, les avions, et les avions de très haute qualité, les chasseurs charter. Puis la République a payé les armes soviétiques par envoyer plus de la moitié de l'or de la Banque d'Espagne en quatre bateaux jusqu'à Odessa. Et pendant toute l'année 37, certainement jusqu'à la fin de la guerre, la République a payé un très fort prix pour l'aide militaire soviétique. Cette aide n'était pas suffisante ni en quantité ni en qualité, sauf exception des avions, pour gagner la guerre à la côté républicain. Mais les Soviétiques ont fait des interventions dans la politique intérieure. Ils ont demandé le remplacement de Largo Caballero. Ils ont demandé l'épuration du PUM, accusé d'être des vermin trotskistes en mai 37. Négrin, je crois, et tout le gouvernement a résisté à la possibilité de leur force politique. Négrin a refusé la fusion des partis communistes et socialistes.
Il a refusé une épuration physique des trotskistes. Mais sur le plan international et aussi sur la ligne démocratique et anti-révolutionnaire dans la politique dedans, Négrine a suivi la ligne soviétique, la ligne du Parti communiste, parce qu'il n'avait pas le choix. Naturellement, les responsabilités de Staline et de l'international communiste, les responsabilités de la démocratie occidentale dans la défaite de la République, ne sauvent pas du tout notre responsabilité à nous, communistes espagnols, qui avons appliqué la politique de Staline. Ne sauve pas non plus la responsabilité des socialistes et anarcho-syndicalistes que, malgré la confiance en eux de la majorité du prolétariat, révélaient leur incapacité totale, tant pour le problème de la révolution comme pour le problème de la guerre. La résolution de ces problèmes exigeait un pouvoir révolutionnaire fort, le maximum d'unité et de discipline, le sacrifice temporaire de toute aspiration à une amélioration matérielle. La tragédie de la Révolution espagnole est qu'elle ne sut pas se donner un pouvoir de ce type. Dans la situation espagnole, la création d'un tel pouvoir ne pouvait être que l'œuvre commune de tous les tendances révolutionnaires du prolétariat. L'assimilation critique de cette grande et tragique expérience, c'est une condition fondamentale de la création de nouvelles forces révolutionnaires espagnoles. La guerre civile, pour moi, ça veut dire une chose du passé, une chose qui a eu lieu dans l'histoire, et dont le rapport avec nous peut tenir une sympathie pour un parti ou bien pour l'autre. Mais pour moi, ça veut dire surtout que j'ai une vie totalement différente de celle-là. Je crois que pour nous, c'est ça, une chose du passé. La situation que nous vivons est si différente qu'on n'y pense plus. Moi, par exemple, de quoi est-ce que je parle avec mes amis? De guerre civile, de rouge, de bleu? Non, avec mes amis, il s'agit de leurs problèmes, des problèmes de leur famille, pas de savoir si nous avons perdu la guerre ou gagné la guerre. Moi, par exemple, mon père s'est battu du côté des franquistes. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui reprocher? Oui, il y a eu des généraux qui se sont soulevés contre le gouvernement légalement constitué. En ce qui concerne les gens qui nous accompagnaient, c'était des soldats, non? Nous avons eu l'expérience de la guerre. Il est certain que tout ce que nous voulons éviter maintenant, c'est une situation semblable. C'est un processus historique. Ça s'est toujours passé pareil. C'est l'histoire. Ce sont des luttes dont on peut tirer des enseignements, mais on a aujourd'hui des problèmes actuels, concrets. Il ne s'agit pas de collectionner des souvenirs. Pour moi, c'est un chapitre terminé. D'accord, pour les expériences et les enseignements. Mais il faut oublier tout le reste. Il faut commencer tout de suite. Mars 1939. Après 2 ans et demi de siège, Madrid est tombée. La foule accueille dans la rue les troupes franquistes. Me parece... C'est comme si je le voyais maintenant. Carmen et moi étions au coin de la rue du Príncipe Vergara et de l'Alcalá. Nous entendons des cris. Nous arrêtons au bord du trottoir. Et voilà, le premier camion chargé de soldats de l'armée franquiste avec leur drapeau qui criait. Franco, Franco. Gritando Franco, Franco, Franco. Fueron unos minutos inolvidables. Impossible d'oublier ce moment-là. Como por arte de encantamiento, en multitud de balcones. Comme par enchantement, on a vu apparaître sur les balcons les drapeaux monarchistes et une foule de gens se sont précipités dans la rue en criant. Quedamos. Al borde de la acera,
Nous sommes restés au bord du trottoir, immobiles, pétrifiés. Bien sûr, nous y attendions. Mais enfin, ce contre quoi nous avions lutté pendant 3 ans, de toute notre force, de tout notre enthousiasme, ça s'était produit. L'armée franquiste avait gagné. C'est là, au coin de ces deux rues, que nous avons vu, que nous avons passé cette frontière terrible entre deux mondes, que nous avons pris conscience de tout ce que cela allait représenter pour notre vie et pour tout le peuple. Al día siguiente de la entrada de las tropas de Franco en Madrid, los muros de la capital aparecieron. Le lendemain de l'entrée des troupes de Franco à Madrid, les murs de la capitale se sont trouvés recouverts d'une proclamation du général commandant les forces d'occupation. El general que mandaba las fuerzas de ocupación. Creo recordar que. Je crois que c'était le général Espinosa de los Monteros. Era un bando declarant. Il proclamait l'état de guerre et donner des instructions à la population. C'est simple, tout était interdit. Et tout ce qui contrevenait à ces instructions, ou à peu près tout, était sanctionné par la peine de mort. La répression s'étendit. Ensuite, la répression s'est étendue. Et elle a acquis des proportions réellement atterrantes. Les noms de rues de Madrid étaient devenus de noms de prison. Porlier, Torrijos, hoy conde de Peñalver, conde de Toreno, Comendadoras, Quiñones, la calle del Barco, Ventas, Santa Rita, Unamuno. Los presos crearon y cantaban una canción. Les prisonniers avaient composé une chanson sur un rythme de polka madrilène qu'ils avaient appelé la Pepa. La Pepa, c'était la condamnation à mort. Et le refrain de la chanson disait. El estribillo de la canción decía, Pepa, Pepa, où vas-tu avec tous ces bons hommes? Pepa, que fais-tu dans toute cette histoire? Muchas veces los 1000 o 1200 condenados a muerte entonaban a coro esa canción. Souvent, les 1000 ou 1200 condamnés à mort entonnaient en chœur cette chanson. Et souvent, un gardien s'approchait furtivement de la grille d'entrée de la galerie parce qu'il avait appris la nouvelle et glissait au premier prisonnier. Il y a tirage ce soir. Saca. Et à mesure que le mot était transmis, il y avait comme une vague de silence qui avançait jusqu'au fond de la salle, jusqu'à ce que s'arrête la dernière voix qui chantait la chanson. Cuando en el año 40, lorsqu'en 1940 se rétablit en Espagne ce qu'on appelle la paix, c'est-à-dire plus de coups de feu, ou plus exactement plus de coups de feu entre les deux camps espagnols, seulement ces coups de feu qu'on entend à l'aube dans les prisons, il devint très clair que le général Franco avait gagné la guerre tout seul. Et pour lui seul. Je ne dis pas seulement du point de vue du patrimoine, mais du point de vue de l'idéologie et surtout de la volonté. L'Espagne était aux mains de la volonté d'un seul homme. Un homme dont la constitution mentale, intellectuelle et imaginative était absolument conservatrice.
un adepte de la Providence, persuadé que les choses avançaient toutes seules et que l'unique chose à faire était d'éliminer par la violence ce qu'il estimait être le mal. La mentalité typiquement conservatrice de Franco est poussée à l'extrême par sa formation militaire. Qui l'amène à surestimer les facteurs purement négatifs, répressifs, violents du commandement. Il n'a jamais gouverné, il a commandé. Il a imposé sa volonté et surtout d'une façon négative, en interdisant. C'est sans doute de tous les dictateurs terribles de notre époque le moins imaginatif. Également le moins imprégné d'une volonté idéologique de modification du monde. Si rare qu'ait été cet ingrédient dans l'esprit des autres dictateurs, je crois que dans le cas de Franco, ça confine à une pénurie jamais atteinte. Entre 1940 et 1942, ma vie dans ce système a été une vie de tension. J'ai continué d'être, j'ai continué assez longtemps de l'être, un homme qui souscrivait à une utopie, l'utopie phalangiste. Je la vivais en tant qu'utopie. Pendant que beaucoup d'autres voyaient l'idéologie phalangiste comme elle était, c'est-à-dire sous son aspect conservateur et répressif, nous autres, nous la vivions d'une manière utopique, en lui conférant une possibilité de transformation de la société espagnole, particulièrement dans l'ordre de la propriété et de la culture, par l'opération en quelque sorte messianique de ceux que nous, phalangistes, appelions une minorité inaccessible au découragement. Formule d'ailleurs très généralement utilisée dans les processus révolutionnaires. En août 1942, j'écrivis une lettre au général Franco pour lui exposer mes critiques de la situation et lui annoncer mon intention de ne pas continuer à collaborer avec le régime. Cette lettre avait été précédée d'une conversation avec plusieurs des dirigeants suprêmes du Parti unique, du Parti unifié, et en particulier avec son secrétaire général Arrese. Je lui avais proposé, et c'était peut-être le dernier effort de mon espoir désespéré, que la phalange adopte une stratégie de conspiration avec, pour orientation précise, retirer à l'armée son influence sur le pouvoir et liquider, ou au moins assujettir, le pouvoir personnel de Franco. On me répondit dans les termes du conformisme le plus strict, et de la confiance la plus obtuse dans les pouvoirs messianiques du chef. Et bien évidemment, devant cette prise de position des autres, je n'avais plus qu'à prendre position moi-même. La guerre d'Espagne, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Il faut dire que je suis fils d'un bourgeois catalan qui était communiste, c'était un petit personnage du Parti Socialiste Unificat de Catalunya, et que pendant toute la guerre, je me la suis coulée assez douce. J'étais à Barcelone, j'avais 6 ou 7 ans, il n'y avait pas d'école. Je vivais pratiquement dans la rue et j'ai fait pendant ces temps-là mon initiation sexuelle. Mais il y a quand même la frustration. Et cette frustration se concrétise par une culpabilisation rationnelle et précise des individus qui, ayant pu gagner la guerre, l'ont perdue. Ce sont ceux que tu appelais tout à l'heure les anciens combattants, c'est-à-dire les gardiens du musée. Ces gens-là, d'après les études que j'ai pu faire, sur la guerre d'Espagne, en lisant main et main bouquin, aurait pu gagner la guerre, j'en suis complètement persuadé. Et là,
Je dois revenir un peu en arrière parce que ça me dégoûte un peu de parler de guerre d'Espagne alors qu'il n'y a pas eu de guerre d'Espagne. Il y a eu, à mon avis, une toute petite révolution faite par quelques anarchistes de l'Iran, écrasés par deux contre-révolutions. L'une libérale, représentée par les républicains et les communistes, et l'autre, libérale de droite, c'est-à-dire centriste. Elle n'était même pas fasciste. Parce que Franco n'est pas un fasciste, c'est un minable centriste. En esto también creo necesario recordaros que el reino que nosotros con el asentimiento de la nación hemos establecido nada debe al pasado. Nace hasta el acto decisivo del 18 de julio que constituye un hecho histórico, trascendente, que no admite pactos ni condiciones. Quand cette génération-là présente la guerre civile espagnole et la révolution espagnole comme un fait central dans l'histoire du monde, duquel eux, ils ont été les protagonistes, eh bien, on ne peut que penser qu'à une légère escroquerie. Une de ces escroqueries que l'on pardonne aux anciens combattants, de la même façon que, en France, l'on pardonne au grand-père qui parle sans arrêt de Berdin. Le dernier régime fasciste européen paraît bien compromis. Il semble que se préparent enfin les événements décisifs qui ramèneront l'Espagne au nombre des démocraties. Tandis qu'à Paris, l'ambassade franquiste est à l'abandon, M. José Giral, président du gouvernement républicain espagnol, nous dit tous ses espoirs. Le gouvernement espagnol que j'ai l'honneur de présider représente la légitimité républicaine. D'autre part, la fermeture de la frontière franco-espagnole est un pas décisif pour arriver à la rupture définitive des relations diplomatiques entre la démocratie française et la tyrannie franquiste. Es en 1945, en septembre, la guerre a terminado. En 1945, en septembre, la guerre est finie. Tout le monde est convaincu, dans la prison et au dehors, que la vie du régime sera maintenant très brève. De que la vida del régimen ha de ser muy breve. Nadie dábamos en aquel Personne ne donnait plus de 6 mois d'existence au régime franquiste. Al régimen franquista. La cárcel de Alcalá. La prison d'Alcalá était réservée aux condamnés pour délits politiques postérieurs, c'est-à-dire pour travail clandestin. Por trabajo clandestino. En mai 1947, en 1947, j'étais transféré à la prison de Burgos. Durant ce qu'on appelle en argot de prison la période, celle qui précède le régime normal, nous avons appris que le Parti communiste français avait été expulsé du gouvernement. Ensuite, la même chose s'est passée dans une série de pays européens. C'était la guerre froide qui commençait. La perspective d'une chute imminente du régime franquiste que nous entretenions à Alcalá a changé du tout au tout. La répression anticommuniste à l'intérieur de la prison est devenue de plus en plus vive et de plus en plus discriminatoire. C'était une situation extrêmement difficile. On concentrait à Burgos des prisonniers des maisons d'arrêt et de pénitenciers de toute l'Espagne, généralement condamnés pour leur participation à la lutte antérieure. Il y avait plus de 2000 prisonniers, dont 1600 communistes. Era cuestión de plantearse la Il fallait considérer l'avenir d'une façon très différente qu'Alcalá. Parce que le séjour en prison risquait d'être long. 1952. Devant 50 000 anciens combattants de son armée, le général Franco inaugure les travaux de la basilique souterraine de la Vallée des Morts. Le 16 novembre 1937, il avait dit: notre guerre est une guerre de religion. Nous,
tous ceux qui combattons, chrétiens et musulmans, sommes les soldats de Dieu. Les carlistes de Navarre, qui aspirent à gagner le ciel en se faisant tuer, les phalangistes pour lesquels l'Espagne est à la fois épouse et mère, et les Marocains qui prient Allah et son prophète. Tous, nous avons la foi. L'origine de nos difficultés est celle-ci. Il y a deux choses que l'on ne nous pardonnera jamais. Une, celle d'avoir gagné la guerre au communisme soviétique. La guerre civile. La guerre civile. J'en dis pas Russie. Nous n'avons rien contre la Russie. Contre le communisme soviétique, n'importe où. Et puis, vouloir nous maintenir dans l'extrême droite, parlons comme ça au moins, dans la défense de l'Église. Est-ce que vous pouvez penser qu'un jour, par exemple, l'État espagnol dise « Nous ne sommes plus un État catholique » ? Ça peut arriver. Est-ce que vous seriez prêt, dans ce cas-là, à engager une nouvelle guerre civile au cas où l'Église catholique serait menacée de l'intérieur ? Moi, j'ai vu assassiner mon père, trois frères, trois oncles, comme ça, plusieurs milliers d'Espagnols. Alors, si on revenait contre l'Église, c'est qu'on revenait aussi, en même temps, contre l'ordre et contre la vie des citoyens. Alors, il n'y aurait aucun moyen. Nous ne commencerions pas, jamais. Mais nous répondrions. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger d'infiltration communiste dans l'Église espagnole ? Nous croyons qu'il n'y a pas un danger, il y a une réalité. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a une infiltration qui vient d'il y a longtemps dans les séminaires. Montserrat, 1972. Témoignage de l'abbé de Montserrat. Peut-être le souvenir plus fort, c'est le commencement de la guerre, l'année 36, quand j'ai vu brûler les églises, quand j'ai vu les miliciens qui allaient vers le front de la guerre, vers Saragosse. C'est un souvenir très lourd, très douloureux. Parce que comme chrétien, je ne comprenais pas pourquoi on brûlait les églises. Mon père a été sauvé parce qu'il était directeur d'une chorale de travailleurs. La majorité étaient des hommes des idées socialistes, gauchistes. Et ils ont respecté mon père. Même ils ont élu mon père comme président du syndicat des musiciens. Après, à la fin de la guerre, l'aviation franquiste a fait quelque chose dans ma petite cité. Et après, j'ai vu l'entrée de troupes nationales, italiennes, marocaines. J'ai vu des femmes qui étaient persécutées pour quelques soldats. Marocain. Après, mon père ne m'a pas donné la permission pour entrer à la Falange. Je n'ai pas compris pourquoi. Maintenant, je suis très content. Mais j'étais content quand j'ai vu les troupes qui arrivaient. Ils ont donné pour manger. Après, ça a été très, très lentement que j'ai fait une évolution dans ma vision de la guerre. Je crois qu'il a marqué toute notre génération d'une façon très forte. La guerre civile, j'ai compris après qu'elle n'était pas cruzada, comme on dit encore maintenant, mais c'est une guerre très mauvaise qui a cherché de prévenir en faveur de certains groupes économiques. On a mis au service de ce groupe, l'idéalisme de certains groupes espagnols, très idéalistes. L'Église, d'une façon plus particulière. Après, on a laissé les Espagnols dans une situation d'obscurité, d'inconscience politique, dans le sens plus profond du mot. Seulement après quelques années, on peut voir
la prise de conscience des jeunes générations. Comme ecclésiastique, et comme ecclésiastique catalan encore plus, je suis préoccupé maintenant pour le futur. Et je vois que l'Église a collaboré d'une façon très lourde pour arriver à ces situations que nous vivons maintenant. Je pense que l'Église, pour répondre au moment historique, doit donner tout ce qu'il peut avoir dans ses mains pour avoir une base démocratique, pour faire possible une véritable paix, collaboration de tous les Espagnols. T'adonnes, compagne, tu te rends compte, compagnon, qu'à poc à poc, ils sont entrés un peu à peu, ens van posant el futur a l'esquena, déplacer l'avenir derrière nous. T'adonnes, amic, tu te rends compte, ami, rends-toi compte, compagnon. T'adonnes, compagne, qu'ens el van robant cada dia que passa, qu'il nous dérobe chaque jour qui passe. T'adonnes, amic, il y a déjà longtemps qu'ils nous cachent l'histoire. Ils disent que nous n'en avons pas, que la nôtre leur appartient. T'adones, compagne, fa ya molts anys que ens amaguen la història i ens diuen que no en tenim, que la nostra és la d'ells. T'adones, amic, à présent, ils veulent notre avenir, paix à paix. Jour après jour, nuit après nuit. T'adones, compagne, que ara volen el futur a poc, dia a dia, nit a nit. T'adones, amic. Ils n'ont pas d'argument, ils emploient la force. T'adones, compagne, no valen arguments, usen la força. T'adones, amic. Il nous faudra sortir dans la rue ensemble, nombreux. T'adones, compagne. Le plus nombreux possible. Que hem de sortir al carrer junts molts, quan és millor. Si no volem perdre-ho tot. Tu te rends compte, ami? T'adones, amic. T'adones, company, t'adones, amic, t'adones, company. Rends-toi compte. Moi, je sais que la langue catalane a été le véhicule d'une culture quand j'avais 20 ans. Moi, je sais aussi qu'il y avait des exiliés quand j'avais 18, 19 ans. Et pourtant, j'avais dans ma famille, la part de mon père était anarcho-syndicaliste, la part de ma mère était des socialistes. L'histoire était à ma maison exactement différente de l'histoire qu'on apprenait à l'école. Moi, je suis né en 1940. J'ai vécu toute ma vie dans ce cadre, de 1940 jusqu'à aujourd'hui, ce cadre qu'on connaît pour l'Espagne aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on nous a caché, c'est beaucoup de choses très difficiles à spécifier une à une. Je suis sûr qu'en parlant, j'oublie beaucoup de ces choses-là. Mais il y a la peur, par exemple. Cette peur qu'on a vécue, même aujourd'hui, d'une façon très forte, mais qu'il y avait la peur au moment de raconter. Moi, je me rappelle à la maison, mon père, ma mère, quand ils parlaient de la guerre civile, ils parlaient tout bas. Même aujourd'hui, ma mère, il parle tout bas, il ne veut pas ne parler, parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui écoute. Oh, les choses que j'ai à dire sur l'Espagne, il ne plaira personne. Moi-même, je ne suis pas sûr qu'elle me plaise. La malheureuse Espagne, l'Espagne héroïque, l'Espagne au cœur, je n'ai par-dessus la tête. L'Espagne est devenue la bonne conscience lyrique de toute la gauche. Un mythe pour anciens combattants. En attendant, 14 millions de touristes vont passer leurs vacances en Espagne. L'Espagne n'est plus qu'un rêve de touristes ou la légende de la guerre civile. Tout ça mélangé au théâtre de Lorca. Et j'en ai assez du théâtre de Lorca. Les femmes stériles et les drames ruraux, ça suffit comme ça. Et la légende aussi, ça suffit comme ça. Je n'ai pas été à Verdun, moi. Je n'ai pas été non plus à Teruel, ni sur le pont de l'Èbre.
Et ceux qui font des choses aujourd'hui en Espagne n'y ont pas été non plus. Ils ont 20 ans, et ce n'est pas notre passé qui les fait bouger, mais leur avenir. L'Espagne n'est plus le rêve de 36, mais la réalité de 65, même si elle semble déconcertante. 30 ans se sont passés, et les anciens combattants m'emmerdent. Oui. C'était en 1965. Qu'est-ce qu'il y a de changé aujourd'hui? Rien. Si. Les touristes sont beaucoup plus nombreux. Ils étaient 14 millions, ils sont 25 millions. 25 millions de touristes tous les ans. Quoi d'autre? Rien. Si. L'Espagne a changé. La politique espagnole n'a pas changé, les discours espagnols n'ont pas changé. La sottise espagnole, pour ne pas dire plus, n'a pas changé, mais l'Espagne, elle, a changé. Ce n'est plus un pays de paysans. Le regard des femmes a changé. Les rapports entre les enfants et les parents ont changé. Quelle est la position de Diego, sans point? Je crois que quand la guerre est finie, la fin est idéaliste. C'est-à-dire, la fin est encore empêtrée dans une certaine mythologie de la politique. On reste fidèle et on continue à faire même des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Je crois que Diego a fait beaucoup de chemin depuis lors. On ne reste pas fidèle si on n'est pas d'accord. On rompt. La politique, c'est aussi la rupture. Même avec les choses qu'on ne renie pas. Ouais. Mais avec une action qu'on a partagée et dont on ne renie pas l'essentiel. Mais c'est aussi la rupture. Bien, mais si tu ne participes pas à une action politique, si tu as pris et du recul, comme tu dis, quel est ton point de vue politique en faisant les deux mémoires? Ou enfin, si tu préfères... Peut-on faire un film politique sans point de vue politique? Il y a un point de vue politique dans les mémoires. Le point de vue politique d'écouter les autres. C'est-à-dire la décision politique de casser le discours, de casser la rhétorique, de casser un discours dans lequel on a vécu pendant... Ce temps, oui. 25 ans, et qui, à un certain moment, ne colle plus avec la réalité... ni avec la réalité du pays sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'Espagne, ni avec la réalité de la tradition de laquelle on vit, c'est-à-dire la tradition du mouvement communiste. Ouais. Alors, la volonté politique de casser ce discours et d'écouter ce que les autres ont à dire. Ouais. Voilà le point de vue politique des deux mémoires. Ouais. Laisser parler les autres. Quitte à écouter beaucoup de sottises. Ouais, ouais, j'entends. Quitte à écouter des choses qu'on savait d'avance. Mais au moins, les écouter. Et essayer de les entendre. Les ouvriers se sont emparés des soucis. L'armée a été détruite. Le pouvoir de l'Église a été détruit. Les terres ont été partagées ou collectivisées. Toute l'appareil de l'État bourgeois a été brisé. Et tout cela s'est fait dans une ambiance très populaire, avec des comités de base partout, avec une consultation démocratique permanente, et surtout avec une foi incroyable des acteurs du mouvement. Même les paysans ou l'ouvrier le plus arriéré étaient convaincus de qu'à ce moment-là, ils se battaient évidemment contre les forces réactionnaires et fascistes en Espagne, mais en même temps, ils se battaient contre le fascisme à l'échelle internationale. Et ils étaient absolument convaincus de que la bataille espagnole, c'était une bataille internationale. Être révolutionnaire professionnel, bon, j'ai commencé à lutter, j'ai commencé à travailler. J'ai continué et c'est pour moi une seconde nature. Être... De point de vue personnel, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, j'ai 57 ans en ce moment, cela signifie que j'ai vécu dans la clandestinité plus ou moins dure, plus que la moitié de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas eu... la situation qu'ont en général tous les gens, n'est-ce pas? Je n'ai pas une vie normale de ce point de vue. Même aujourd'hui, je suis séparé de ma famille. De point de vue personnel, ça signifie aussi que je n'ai rien. Que mon nom et ma qualité, et que je n'ai pas eu tout ce que beaucoup de gens ont dans la vie. Mais
Pour moi, ces vies de révolutionnaires professionnels, comme tu dis, et tu sais combien ces professions paient pas bien. Ces vies de révolutionnaires professionnels, c'est une vie auquel il me serait très difficile de m'en sortir aujourd'hui. Je n'imagine pas une autre vie. Et quand je regarde en arrière, je suis très satisfait du point de vue personnel, de cette vie et de ce qu'elle m'a donné, même si du point de vue tangible, matériel, elle ne m'a rien donné. Pendant quelques heures, on ne savait pas si ça c'était une révolution ou ne l'était pas. On se demandait si ça allait terminer comme ça ou bien si on allait de l'avant. Quan nous avons entendu qu'au centre de Barcelona, la lutte avait penché du côté du peuple, du côté des militants, alors nous nous sommes revêtus de valeur, nous nous sommes attaqués à la collectivisation déjà, en commençant par l'alimentation, en commençant par mettre en valeur les petits ateliers, les petites boutiques. Et il y a eu quelques jours de vraie euphorie. Les tramways, ils allaient tout pleins de gens agitant des drapeaux. Le mot d'ordre était « ce n'était pas », je parle toujours de Barcelone. Et je dois vous dire que plusieurs fois, quand j'ai fait l'analyse des événements en Espagne, des événements de la guerre, des malheureux événements de la guerre, je me dis toujours que le feu, il valait bien la chandelle. Vivre ce 19 juillet, ce 20 juillet, ce 21 juillet, en pleine euphorie révolutionnaire, avec le peuple au milieu de la rue, et avec la joie de la victoire, ça c'est un épisode dans la vie d'un homme qui le marque pour toujours. Pour moi, personnellement, représente quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, en 1936, sur les terres d'Espagne, se sont affrontés, pour ainsi dire, deux conceptions du monde. Nous avons été vaincus par la force des armes, mais dans le fond, je dis toujours, moralement, nous sommes vainqueurs.